Si toi aussi tu veux des crédits, si toi aussi tu veux des points FIFA, pour avoir ces énormes joueurs, alors va sur utonebuy.com, t'as 5% de réduction avec le code ICOR. Eh bien salut tout le monde, c'est IcorFut et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Et donc aujourd'hui on est sur Facets Ultimate Team encore une fois. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter une équipe de Serie A de fou les gars. Vous allez voir, donc cette Serie A franchement elle coûte vraiment pas cher. Et avec cette Serie A vraiment vous allez pouvoir vraiment vous faire plaisir et monter dans les divisions. Et donc voici l'équipe les gars, voici cette équipe, donc vous pouvez le voir, il s'agit vraiment d'une équipe très très lourde. Alors cette année j'aime beaucoup jouer en 82, c'est vraiment un dispositif que j'aime bien, les ailiers j'aime bien aussi, mais voilà, j'aime bien varier les deux. Donc en attaque déjà on a du Baka, alors 83 de vitesse, 83 de tir, c'est juste un truc de ouf, 77 de physique c'est très correct. Donc voilà, avec Dybala qui est lui beaucoup plus rapide, un peu moins physique, vous voyez. Donc ça, il se compense vraiment très très bien. Malgré que Baka a pas les gestes techniques, vous voyez, ça compense. Cercy, vraiment un très très bon MOC, j'aime bien ce genre d'MOC. Voilà, avec un milieu central vraiment très très lourd. Nainggolan, il est juste monstrueux les gars, il est juste monstrueux. Donc voilà les gars, avec une défense vraiment très 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 correcte. Une défense centrale vraiment qui se complète, parce qu'il y en a un qui a 79 de physique, qui a plus de physique que de défense, il y en a un qui a plus de défense que de physique, vous voyez ce que je veux dire, ça se complète. Et au niveau du goal, voilà, José Reina, voilà, il fait le taf, vraiment pas mauvais les gars. Donc voilà les gars, on est parti tout de suite pour le match. Et donc les gars, voici l'équipe de mon adversaire. Donc bon, il a pas vraiment une très très bonne équipe. Bon voilà, malheureusement, bah, je suis désolé, hein, mais bon, sur ce compte là, j'ai pas vraiment avancé. Je suis allé en coupe gold, je me suis dit je vais peut-être trouver des meilleurs adversaires, mais bon voilà, on trouve pas vraiment de bons adversaires. Je suis désolé en tout cas, mais bon voilà, on va en tout cas essayer voilà, de mettre un maximum de buts pour vous montrer l'efficacité de cette équipe. Vous allez voir que c'est vraiment. Et le Baka il va être tout seul. Il va être tout seul Baka, faut juste revenir tranquillement dans l'axe. La frappe. Ah dommage. J'espérais vous voyez que ça passe en dessous du gardien là. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Allez, là il va juste suffire. Ah, Y'a quoi? Pourquoi il fait pause? Y'a rien? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, la frappe et l'ouverture du score, les gars. Voilà, ça fait plaisir. Je sais pas c'est qui a marqué. Mais en tout cas, voilà, c'est un but plutôt pas mal. Voilà, rien d'exceptionnel dans le but. Mais voilà, on est efficace, 16ème minute. On a eu quelques petites occasions, c'est vrai qu'on aurait pu mettre. Mais bon, voilà, là on met un but. Oui, vous voyez que Dybala, voilà, c'était Dybala, je l'ai pas reconnu, je vais pas vous cacher. Donc vous voyez que Dybala, voilà, quand il est devant le but, il faut marquer, il marque. Allez, Carlos Baka. Voilà, bon, là on a fait un peu les dégueulasses, voilà, on va pas mettre le but. Bon, en même temps, je vais pas vous le cacher, en fait, j'ai vraiment failli parce que la passe, il a mal intercepté, mais bon. Bon, j'avoue que tant mieux que je l'ai pas mise parce que, voilà, mettre un but sur un but PES, c'est vraiment nul, quoi, c'est un peu, voilà, c'est un peu dégueulasse, quoi, on va dire, voilà. Oh les gars! Oh my god! Non! Oh putain! Non les gars, c'est pas possible! Oh putain, je m'attendais pas les gars! Bon! Oh, la retournée les gars! Oh! Oh je suis choqué! Oh putain! Non! Ah, c'est pas possible! Ah là là, c'est plantant, j'ai pas marqué un but comme ça les gars, ça fait plaisir. Dybala le doublé. Oui les gars, voilà. Et voilà les gars, 3-0. Bon voilà, sur une petite erreur du gardien, on reprend, il y a but les gars, rien d'exceptionnel. Les gars, ça fait 3-0, c'est plaisir. Ah les gars, on se prend un but, hein. Le mec se laisse pas faire. Le mec se laisse pas faire, c'est clair. Bon, après, moi, c'est vrai qu'il y a un petit relâchement en fin de match. Je vais pas vous le cacher, hein, c'est pas pour me trouver des excuses, mais bon, c'est vrai que voilà, il y a un petit relâchement quand même. On va pas se mentir. Allez, Carlos Baka, le centre et le but, les gars. Voilà, on s'y remet, ça fait encore un but, les gars. Voilà, bon, après, c'est vrai que l'équipe en face, c'est pas très forte, hein, mais voilà, après, il y a les extrêmes, quoi. Dans la série Up to Ligue 1. Mon équipe de bronze est pas assez forte, du coup je me fais défoncer. Là je joue contre des équipes bronze, du coup je les défonce, vous voyez. Bon, le problème des mi-vidéos c'est que c'est les deux extrêmes. Et donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à vous abonner pour cette équipe les gars. Max de likes, parce que voilà, plus il y aura de likes, plus je vous présenterai des équipes comme ça. Ça fait vraiment plaisir. L'adversaire qui rage quitte, voilà, quoi de plus. C'était IcorFut, moi je vous dis à plus les gars. 'Cause I can use a handsome fire.